Bonjour, c'est Thomas. Voilà, aujourd'hui je vous parle du camélia cupido. Allez, je vous montre le lot et je vous montre les fleurs. À tout de suite. Voilà le camélia cupido. Voilà tout le lot qu'on a en production. Donc, il y en a quand même à peu près une bonne centaine. Comme vous pouvez le voir, il commence déjà à fleurir, à monter tous ces petits boutons, plein de boutons et beaucoup de fleurs à venir. Voilà, donc le camélia rostorniana cupido, c'est une variété qui a été trouvée au Japon. Donc c'est une plante de terre de bruyère, rustique à retenir, hein, qui tient à moins 10, moins 12 degrés. Voilà, et c'est surtout extrêmement florifère. Je vous montre un plan rapproché des boutons, de tous les boutons. Et puis les premières fleurs, voilà, c'est des petites clochettes toutes blanches, toutes mignonnes, avec un léger parfum, donc c'est légèrement parfumé. Et voilà, il a, comme vous pouvez le voir, il a un port, on appelle ça un port champêtre, avec des rameaux souples, excellent pour une plante au jardin, hein, ou bien dans un pot, sur un balcon, en privilégiant bien entendu du terreau de terre de bruyère. Voilà un dernier plan sur tout le lot, en pot de 7,5 litres. Le camélia cupido, c'est pour vous, c'est maintenant. À très bientôt.